Hey les agris, j'espère que vous allez bien, c'est un agri de Belote. On se retrouve cette fois pour la vidéo des semis de tournesol. Donc allez, c'est parti, je vous explique tout ça. Voilà, aujourd'hui on se retrouve le lundi 18 avril pour parler des semis de tournesol. Peut-être commencer par vous présenter l'ensemble de semis et pourquoi on utilise cet ensemble et pas un autre tracteur ou autre chose. Donc derrière moi, il y a un semoir Kuhn en 7 rangs avec 60 cm d'écartement entre rangs. C'est un semoir monograine. Donc je vous expliquerai juste après c'est quoi la différence entre un semoir monograine et un semoir volumétrique. Devant, on a le 174, le N174 de chez Valtra. Donc vous allez me dire, pour tirer un petit semoir comme ça, vous mettez 170 joules devant, pourquoi faire? Surtout que vous avez vu dans la dernière vidéo, on est aussi équipé du N134, donc quelque chose de 134 chevaux, il y a le GPS aussi dessus. Mais la différence entre ces deux tracteurs, c'est que le N134 est équipé d'un GPS moins précis que le GPS du N174 là. Et le 174 est équipé en RTK. Et vu qu'on veut au moins guiner une fois les tournesols, quand c'est semé au RTK, ça va être quand même semé beaucoup plus précis. Voilà, donc pourquoi on a semé avec le 174. Après vous allez me dire, oui mais il va consommer beaucoup plus, etc. etc. Pas forcément, parce qu'on est quand même des fois dans des terres ici qui où ça grimpe pas mal, du coup le 174 a encore plus de stabilité, il y a des pneus plus larges que le 134, et là on, plus la prise, pour un semoir comme ça il faut la prise de force qui tourne, et la prise de force là on l'a mis en 500 économique, c'est à dire que le tracteur il tourne à 1450 tours. Franchement, il n'est pas à l'avantage. Donc la différence entre un semoir volumétrique et un semoir monograine. Donc le volumétrique, c'est un semoir qu'on va utiliser en moyenne pour semer les céréales, du blé, de l'orge, du bois, de l'avérole, de l'avoine, tout ça. Parce qu'en fait, même si on calcule notre densité au mètre carré, on calcule souvent 1 kg hectare. Par exemple, on va dire que je veux semer mon orge à 110 kg hectare. Un tournesol, on ne va pas parler de poids hectare parce que déjà les graines varient extrêmement la taille, donc le poids spécifique de la graine varie, donc ça serait très compliqué. Et même on a des doses beaucoup plus légères, on doit être à, je pense, en fonction des semences, mais on doit varier entre 10 et 15 kg, je pense, à l'hectare. Parce que le tournesol est une graine très légère. Donc avec un semoir à bleu, on ne pourrait pas le faire. Et le tournesol aime bien être quand même un peu espacé, c'est pour ça qu'on est sur un écartement de 60 cm entre rangs. Donc le principe du semoir monograine, c'est du coup on va regarder, pas comme je vous ai dit pour le blé, un nombre kilogramme hectare, mais un nombre de grains hectare. Là je crois qu'on est, on sème pas très très dense, on doit être entre 60 et 70 000 grains au mètre carré. Je m'en souviens plus trop parce qu'en fonction des terres et en fonction des variétés qu'on sème, ça va varier avec. Donc voilà, le principe de semoir monograine va être de positionner graine après graine. Pour ça, en fait, il y a une turbine qui est actionnée par la prise de force qui, elle, va dépressuriser une chambre. On a notre disque, un disque en fer qui va glisser et il est micro-percé, ce disque. Et par exemple, là, on aspire l'air et là, il y a le disque ici. Et là, il y a la réserve de grains. L'air étant aspiré, les grains vont essayer de boucher les trous. On a notre disque qui avance proportionnellement à la vitesse d'avancement du tracteur et comme ça, on prend un grain par un grain. Et là au moins on est sûr d'avoir une très bonne régularité de semis. Pour me faciliter le travail dans le tracteur, pour être pour au cas où, des fois il pourrait avoir une descente, donc voilà comme je vous ai dit, il y a 7 éléments semeurs. Peut-être qu'à un moment il y a un élément qui va mal semer pour un défaut ou quelconque. Donc pour que je sache si un élément il y a un souci. Ici j'ai le boîtier Kuhn, au-dessus j'ai en fait de 1 à 7, donc mes nombres d'éléments. Et je vais avoir des voyants dessus. Et il y a un capteur qu'on est sur le semoir, qu'à chaque fois qu'il y a des graines qui tombent, lui, ça reste en vert. Dès qu'il va avoir quelque chose ou un endroit, peut-être un élément tout simplement qui évite des circuits de semences, et on a le capteur qui va se mettre en rouge et biper. Donc à ce moment-là, on sait qu'on s'arrête, on descend et on va voir. Vu qu'on a le numéro, on sait sur lequel s'arrêter. Moi, je suis bientôt en goudré, je vais m'arrêter, vérifier les niveaux. Donc ça soit deux semences, micro-granulé. Qu'est-ce qu'il y a dans le micro-granulé? Dans le micro-granulé, on a un mélange de trica et sper qui va être un insecticide pour des larves qui vont venir attaquer le tournesol à sa naissance. C'est un tout petit insecticide, c'est une petite poudre qu'on met et les larves vont venir manger cette poudre avant de manger la graine de tournesol. On va aussi mettre un peu d'anti-limace dedans pour éviter que quand le tournesol va lever, si on a de la pluie, que les limaces viennent ravager la levée du tournesol.
Donc on a ça qui est mélangé dans une petite trémie. C'est à des doses très très légères à l'hectare. On doit être à quelques kilos à l'hectare. Donc là, pour voir un peu mieux l'ensemble, donc le 174 et derrière le semoir Kuhn, comme je vous ai dit, le monograine. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a un élément et une réserve par élément. Donc ici, on a notre graine de tournesol. Vous allez me dire, c'est vraiment bizarre quand même ces graines violettes. C'est normal, c'est en fait c'est un enrobage qu'il y a dessus qui va permettre, en gros, c'est un peu... Ça va éviter que le tournesol tombe malade dans le début du cycle. Si là, on a beaucoup de pluie et tout ça, c'est pour voilà, éviter qu'il soit malade, le tournesol. Donc c'est un enrobage qui est sur la graine, donc comme ça, la graine va s'ouvrir et ce produit va se diffuser... proche de la graine, et comme ça les premières racines de la graine de tournesol, du pied de tournesol, vont pouvoir utiliser ça. Et donc là, comme je vous disais, le microgranulé, il en reste impeccable. Et niveau réserve de tournesol, je pense qu'on a encore de quoi faire au moins une bonne heure facile, même si c'est pas plus. Donc voilà, comme je vous disais, je sème au GPS, donc pas besoin d'utiliser les traceurs. Donc le traceur habituellement est utilisé quand c'est pas au GPS. Il y en a un de chaque côté. On va venir de la cabine, on le baisse à chaque fois et on fait en ré l'une après l'autre, on va le baisser et au retour d'après, ça va faire une marque au sol, il faut mettre le milieu du tracteur dedans. Peut-être vous parler de comment un peu est équipé. Donc devant ici, on a un chasse-motte, donc ça va venir un peu retirer, vous voyez, en surface. On a ces grosses mottes qui sont en surface. Donc ça va retirer ces grosses mottes et ça va venir avoir un mini-lit comme ça de semences. Et après ici, on a notre double disque qui va venir ouvrir un sillon. Bon, ici, le sillon s'est mal refermé parce qu'on est un peu à un endroit ombragé et c'est sur la tournière, c'est-à-dire que ça a été beaucoup trépigné, c'est un peu tout cassé. Et si on regarde là dans le champ, vous voyez, le sillon, on le voit même plus, le sillon, il est ici. Donc si on gratte, normalement, on est censé trouver, comme là, une graine de tournesol. Donc elles sont un peu en surface, c'est parce qu'il doit pleuvoir ce soir. Bon, là, celle-ci est vraiment en surface. Normalement, les autres étaient un peu plus basses. Voilà. Donc, on a ce chasse-motte qui va venir écarter pour avoir un petit lit de semences. Nos disques qui vont venir ouvrir, déposer la graine. Et derrière, on a un peu comme des roues plombeuses qui, elles, vont venir... Vous voyez, là, le sillon est ouvert encore ici. Quand on regarde, là, le sillon est encore un peu ouvert. Et ces roues vont venir rappuyer et faire une petite bosse comme ça pour mettre notre graine bien positionnée. Voilà. Et ah oui, j'ai oublié de vous montrer la turbine. C'est ça qui est actionné par la cardan. La turbine qui va dépressuriser pour pouvoir permettre là-dedans. Comme je vous disais, il y a un disque qui tourne ici et qui va venir se coller la graine et les faire tomber ici. Voilà. Bon, je vois que j'ai assez de semences. Je repars pour semer au moins une bonne heure parce que même du micro-granulé, il m'en reste largement assez. Et je vous dis, en attendant, ça vous tente pas quelques plants de drone? Allez, c'est parti!
que les plans que vous avez vous ont plu. Donc moi, la vidéo, je l'ai tournée lundi. J'ai un peu continué mardi matin avant la pluie. Et là, on est samedi. J'ai toujours pas fini le montage. Ça, c'est autre chose. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a 30 hectares de tournesol, une trentaine d'hectares de tournesol semés. Il reste encore, je pense, une bonne trentaine d'hectares de tournesol à semer après. La décision a été prise de ne pas tout semer en même temps. Si ben là par exemple on avait vraiment des abados pendant 3 semaines, des mauvaises conditions, que le tournesol ait du mal à lever et qu'il y ait des dégâts de palombe ou oui, dessus, mais qu'on n'ait pas la totalité du tournesol à ressemer ou voilà. Donc après la pluie, il me restera une trentaine d'hectares de tournesol à semer. Il y aura un peu de soja en bio, je pense 25 hectares à peu près, et un peu de sorgho. Voilà. Donc je vous filmerai peut-être pas ça, ou peut-être, je sais pas, à voir. Et j'espère que la vidéo aura pu vous plaire, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!